mais va la trouver dans un nouveau vidéo où ce sera la vidéo où je vais vous montrer les cadeaux que ma grande sœur et mon grand-père m'a donné. Alors pour mon grand-père, j'étais très très contente parce qu'il m'en a donné deux et ma grande sœur une. Mon grand-père, c'est ce que j'attendais. Bon, on va pas parler trop. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me donner des pouces bleus, appuyer la petite cloche en bas et de me laisser beaucoup de commentaires vu que cette vidéo va être géniale. Ok, on va commencer par ma grande sœur. Donc, ma grande sœur, elle m'a donné un petit sac avec Mimi et deux petits breloques. Donc, celle-là, elle l'avait mis. C'est un petit licorne. Et moi, j'ai mis celle-ci. C'est un mini qui s'allume. Dans la petite poche. Et dans la grande poche. Donc, les deux poches, ils ont des petits pompons comme ça. Donc voilà, je suis hyper hyper contente de ce sac, il est génial. Et maintenant à mon grand-frère. Regardez. La vraie machine et le loom originel. J'étais trop choquée. Regardez ce qu'il y a marqué là. L'originel, donc c'est comme ça derrière. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Il y a un petit ciseau. Ok. Hop. Ok. Déjà, je sais comment il montre à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Je ne l'ai pas ouvert. Attendez. Oups. Donc pour l'instant, je le garde. Enfin, j'ai un petit peu. Donc là, c'est l'instruction de l'envolume. J'espère que c'est la vraie. J'ai un petit peu le garder. Ok, donc là c'est comme ça. Et comme ça. Enfin, il montre les instructions. C'est la vraie machine. On va prendre la machine. Je vais vous montrer comment ça monte. Oupsie. Voilà. Alors, donc on a, regardez, c'est la vraie machine à rainbow. Ah ouais, ça je suis choquée de regarder, en plus c'est la vraie. En plus elle est forte. Hein. Ok, et maintenant le crochet, j'espère qu'il est en métal. Oui, c'est le vrai en plus. C'est en métal. Ah, je suis trop choquée. Super contente. Et maintenant, au niveau des élastiques. Alors, il y a un petit truc. On a des petites clips. Et un petit sachet avec 600 élastiques. C'est avec plein de couleurs. Donc, il faut que je les trie, bien sûr. Et je veux voir la qualité. Donc, je vais en prendre un ici. Ouf. Je peux dire que ça va l'air un bon moment, mais après on va voir les autres hein, parce qu'il y a une grande boîte. Ok, donc je peux dire que je suis hyper hyper contente vu que c'est la vraie hein, machine. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la machine Rainbow Loom, moi je pense qu'elle est super super bien. On passe maintenant cette fois-ci à la grande. Moi je crois que c'est la fausse machine Loom Bend. Vous croyez que c'est la fausse machine Rainbow Loom ou la fausse machine Loom Bend? Moi je sais pas, j'ai pas encore ouvert. Donc c'est un petit colis comme ça, il est grand. Et maintenant on va avoir le secret. Donc voilà, j'ai fermé la boîte Rainbow Loom. Et maintenant, j'espère. Donc moi, je pense que c'est la fausse machine. Non, ben, allez. Si j'ai pas gagné, alors là, c'est pas possible. Ok, maintenant, on va l'ouvrir. Bon. Je peux pas vous montrer comme ça, vu que... Déjà, je vois des élastiques. Ok, maintenant, on va la couper. J'espère que c'est... C'est là, pousse. C'est la pousse machine.
machine. Ouf. C'est pas la fausse machine à Lumben, c'est la fausse machine à Rainbow. Comme je disais, c'est la fausse machine à Rainbow. Ouf, quand même. J'en ai deux machines à Rainbow des fausses. Alors, a... Oula, par contre, ils sont mélangés. Oula, quand même. C'est à peu près comme la même. Allez, il faut que je trie. Regardez les couleurs, elles sont belles, mais par contre, mais je peux pas vous les montrer. Je vais les montrer comme ça. Donc, on a. Il faut que je trie. 4 petites sachets de clips. On a quelques crochets, comme ça, en plastique encore. Par contre, celui-là, il est cassé. Donc, normalement, c'était 5, mais un est cassé, donc c'est pas grave. Après, attendez, je vais trier quelques-uns et j'arrive. Donc, voilà, j'ai un peu rangé, mais c'est pas bien encore rangé. Il faut que je trie les élastiques parce que, vu que... Attendez, je vais juste regarder. Oula! C'est normal, vu que... Bon, voilà, c'est à peu près comme ceci. Donc, on va les faire trier. Alors, donc, pour commencer, je vais encore le monter, hein, bien sûr. Donc, on a 4 petites sachets de clips. On a également ce petit instruction. Ici, on a également... deux petits mini looms pour faire des bracelets. Ok. Après, on a forcément quelques charmes. Je sais pas si ça se dit comme ça. On a 4-5 charmes. Donc, on a un ananas avec des lunettes. On a un petit flocon de neige. Une glace un peu croquée au bout, un cupcake, et un pastèque, un bout de pastèque. On a également 5 petits crochets en plastique, ouais, qui ne veut pas sortir. Voilà, que un est cassé au bout, donc ça ne fait rien en total. Donc, après, on a également la fausse machine Rainbow Loom, donc c'est la fausse bien sûr, avec son crochet en plastique, je crois, oui, bien sûr, en plastique, qui ne va pas s'enlever. Attendez. Ça fait à peu près 15 minutes que j'arrive pas à l'enlever. Enfin, j'ai réussi à l'enlever. Donc, également, c'est la fausse machine Rainbow Loom. C'est quand même bien parce que c'était la fausse machine Loomband, là, j'étais pas très humiliée. Et également le crochet en plastique. Il va bientôt se casser lui ici. Maintenant, je vais vous montrer un peu les élastiques. Je vais être pas très sûr, cette vidéo va être longue. Donc, c'est parti. On a. Oula, quand même. Donc, on a des élastiques en métal. Ok, mélangé. Après, on a des élastiques noirs. Des élastiques blancs. Des roses. Des oranges fluo. Des jaunes fluo. Des verts. Des bleus clairs, bien sûr. Et ici des bleus foncés, un peu fin foncé. J'ai du rouge. Ah oui, c'est du rouge. Hein. Du bleu foncé. Bon, on a trois bleus là. Après, j'ai des élastiques paillettes. Ah, c'est des élastiques paillettes. Hein. Après, des élastiques à deux couleurs mélangées. Faut que je les trie.
Après, des astuces cadeaux couleur jaune et rose. Encore aussi, mais sauf que ça changeait un peu du rose et bleu. Après, des verres paillettes. Après, des transparents. Et par exemple, il y a du orange, du rose. Enfin, voilà, encore ça de couleur. Du marron, bien sûr. Du violet. Du rose un peu violet. Ouais, la caméra, ça se voit violet, mais c'est du rose quand même. Ouais. Ou quand même, du turquoise. Et également, encore à deux couleurs, noir et blanc. Donc voilà, je suis hyper contente, à part si j'étais en train, allez, allez, c'est pas une lumbelle, mais quand même, c'est la fausse machine. Mais bon, j'en ai deux comme ça et une la vraie. Donc voilà. Donc je vous montre de profil comment je montre l'image. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu avec des élastiques et le sac mini. Et on se revoit dans un prochain tuto. Au revoir!